Hey yo yo yo, c'est ton gars Prince FPV dans ta TV les gars, ça fait un bail. Je vais vous présenter ce que j'appelle le mini lifter Tema, la taille de la kishta mon gars. Tema le bail. C'est un délire de ma part, ça n'existe pas le terme mini lifter. Un mini lifter, la finalité c'est de pouvoir voler en indoor. Mais en même temps, il me faut un drone compact qui ait un minimum de puissance. Une caméra qui soit cinématique, alors ça veut rien dire cinématique mais tu m'entends. Et surtout qui ne soit pas trop lourde et sur laquelle je puisse mettre un objectif. Alors après des heures à diguer sur le net comme un jeune hacker du web, je suis tombé sur une pépite mon pote. C'est la caméra qui est sur le mini lifter, ça s'appelle une Zcam E1. Regarde, elle tient tout simplement avec un GoPro mount que j'ai posé sur la caméra. Mec, je sais que là, à ce moment-là, tu dois te dire, c'est quoi son truc? C'est quoi ce bidule-là, là? Il y a un objectif, c'est une caméra, mais en même temps, on dirait une GoPro, t'as mis le doigt dessus. Zcam, à l'époque, ont sorti cette caméra, la Zcam E1, sur laquelle tu es en 4K jusqu'à 30 images secondes avec un capteur, je te le montre tout de suite, tiens, regarde. En micro 4 tiers, sur lequel j'ai mis du coup un objectif 8 mm, la caméra est toute légère. Je te montre tout de suite en comparaison avec ma Action 3 de chez DJI. Zcam E1, DJI Action 3, on dirait qu'elles sont similaires, les boutons d'enregistrement. Ça m'a choqué un petit peu. Les boutons d'enregistrement sont au même endroit, c'est quasiment le même form factor, tu vois ce que je veux dire. Sauf qu'il y en a une qui est qu'un objectif fixe, qui va jusqu'en 4K 120, c'est une caméra d'action, c'est la Action 3, qui est une super caméra d'action, je te le dis franchement. Et après, tu as donc la Zcam E1, qui est donc sur le form factor d'une GoPro, avec avec un objectif, tu vois. Donc si tu as envie de faire un délire, tu te mets en 8 mm, l'équivalent dans nos lunettes, dans le Air Unit. Mais si derrière, j'ai envie de faire un plan avec une intention bien particulière, j'ai envie de mettre, je te dis une bêtise, mettre du 14, du 25, du 50, je peux. Et les valeurs de plan seront différentes selon l'objectif. Donc, t'es plus bridé avec un grand angle super wide d'action cam et la qualité que ça engendre. Là, pour le coup, tu mets un objectif selon l'intention de ton tournage et dans tous les cas, tu auras plus de piqué, une focale qui sera plus ou moins différente, etc. Cette caméra, c'est bon, on en a parlé, la Zcam E1, son objectif, ses capacités, c'est plus, c'est moins, on en a parlé, c'est magnifique. Mais on parle aussi du mini lifter, ma création, ma créature. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc, mec? C'est simple, c'est un 5 pouces d'octet. D'accord? Mettez-vous ça dans votre tête, c'est un 5 pouces d'octet sur lequel j'ai juste mis une top plate, d'accord, d'un insider. Parce que je me suis dit, si un jour j'ai envie de mettre une autre caméra, j'ai la place pour mettre, donc il faut l'imaginer comme ça. Donc ici, tu auras la grosse caméra, d'accord? Dessus, je vole avec des 4S. Je vole avec des 4S de chez Bonka Power, de chez Wolf Drone Shop, en 1550 mAh. Moi, je suis en 4S, personnellement, je n'ai pas évolué encore au 6S, j'en éprouve pas le besoin. Et encore moins depuis que je peux faire voler tout ce setup, d'accord? Ce setup, il vole à peu près 2 minutes 30. On frôle le 3 minutes. Marseille, big up, baby. Je vous le dis franchement, si je dois clore cette vidéo sur le pourquoi, du comment, du mini lifter, est-ce que je regrette? Est-ce que je regrette pas? Est-ce que je le conseille aux gens ou pas? Je le conseille à 400%. Pourquoi? Parce que ça ouvre les portes à des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter un ciné lifter à 2000 balles. Et 2000 balles, je suis bien gentil. D'acheter une grosse caméra, t'achètes une Zcam E1 à 450 balles, c'est le prix de ta GoPro 11 ou ta GoPro 10. Tu gardes les mêmes batteries, t'as pas besoin d'acheter des 4500 ou des 5000 mAh. C'est un workflow où tu ne peux que gagner. En fait, t'achètes pas de nouvelle lipo, tu ductes un 5 pouces, ton 5 pouces le plus énervé, tu le ductes, d'accord? Si demain, t'as envie de mettre un boîtier léger, et je suis sûr que ça va marcher,
tu prends un Sony A6300. Tu prends un Sony A6300. Donc, c'est pour ça que je te parle du mini lifter avec sa ZKME1 et d'une action cam type la Action 3 si tu as besoin de plus d'images par seconde. Fin de l'histoire, les gars. Ok ? N'oublie pas, commente, like, abonne-toi parce que des petits créateurs comme moi, gros, quand je vois qu'il n'y a pas trop d'abonnements, ça me donne pas envie de faire des vidéos alors que j'ai des trucs de fou à vous dire. Des mini lifters, des ZKME1, des RCV2, des Goggles 2, des tout ce que tu veux, mais il faut me donner de la support. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut me donner de la support à un moment donné. Ça suffit, mec. On est ensemble. Prinks FPV dans ta TV, je sais que tu l'as dit. Bye!